dans cette nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui sur le compte de Iron Design pour ouvrir, vous vous en doutez, des coffres, mais aussi le fameux électro-sorcier, le sorcier électrique les amis. Alors on va faire du pack opening sur son compte, on va faire du pack opening sur mon compte aussi. Vous allez voir que j'ai pas eu le sorcier électrique mais que je suis passé vraiment 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 par loin. Alors les amis, si la vidéo que vous allez voir vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à lâcher le fameux pouce bleu. L'objectif de cette vidéo, si vous voulez revoir du pack opening de l'électro-sorcier et peut-être même sur mon compte, c'est 6000 pouces bleus, ce serait vraiment vraiment chouette. Et je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire les amis. Je lui ai dit que j'allais lui prendre 5€ de gemmes en offre pour lui ouvrir en fait ses petits coffres. On va parler ensuite du deck. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'offre de valeur x2, 5€, coffre géant. Ça va me permettre d'avoir les gemmes en fait pour ouvrir cela. Donc c'est parfait. Donc on va quand même packer pas mal du coup. Là on va packer pas mal du coup. Alors attendez, juste je mets mon petit moniteur. Voilà, nickel. Je vais quand même packer pas mal. Du coup alors ce qu'on fait, c'est que j'achète l'offre et on se retrouve tout de suite après pour l'ouverture des coffres et de l'électro sorcier les amis. Et voilà, tout est prêt les amis, hop c'est parti, on va ouvrir le coffre géant du coup, donc de 1923 or, 5 méga gargouilles, donc il va rester des rares, 25 mini PK et 274 gobelins. Je pense que là il va être plutôt content du coup les amis. Alors je tiens à préciser les amis que si vous voulez suivre Iron Design sur Twitter, notamment pour si vous avez des projets de graphisme, que ce soit YouTube ou autre, et bien n'hésitez pas, son lien Twitter est dans la description, à le follow et à le suivre. Du coup on est parti, on a 1200 gemmes, donc on va s'ouvrir tous les coffres et on va finir bien sûr par celui de l'électro sorcier. Alors le petit coffre gratuit, qu'est-ce qu'on a dedans? 84 d'or, 2 gems, 10 esprits de feu et 2 golems de glace. Ok, on va ouvrir le coffre à couronne. 546 d'or, 3 gems, 19 Tesla, 22 canons, bof, 27 hordes de gargouilles, ça c'est plutôt pas mal. Et 8 méga gargouilles, je pense que là il va être vraiment content. Les méga gargouilles, c'est le top. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre les coffres géants. Ensuite, on passera du coup de suite sur le Magical. 2019 or, une épique, un garde, c'est mieux que rien. 30 Valkyries, donc ça c'est plutôt pas mal. Et 273 géants royal, donc qui est quand même assez joué en multiplayer, donc qui est une très 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 bonne carte. 1820 or, 14 mousquetaires, 16 méga gargouilles et 274 archers. On va passer au Magical Chest des familles, c'est parti. 641 d'or, une boule de feu. Ouh là là, une tour à bombe, ça fait léger, hein, deux rares. Donc juste après, on passera sur mon compte, hein, les amis, pour paquer, j'ai du bon coffre, vous allez voir. Deux chevaucheurs, toutes les communes ou toutes les rares. 3 T2, donc il reste commune rare. 74 canons, on va prendre le reste des rares, du coup. 12 roquettes. Et 3 miroirs. Plutôt bof, ce coffre, là, on va voir. Mais ouais, hormis les cochons, le reste, c'est un peu moisi, quand même. Alors, on va aller ouvrir le coffre, hein, bien sûr. Alors, parce que je me doute que vous avez la question. Voici le deck qui lui a permis de remporter l'électro-sorcier. Donc, le sorcier de glace a été remplacé par l'électro-sorcier. Et si, je vous dis pas de bêtises, c'est une compo que Hashtag a présentée en vidéo. Donc, n'hésitez pas à checker, les amis, si vous voulez voir un petit peu voilà, sa compo, comment elle fonctionne, etc. C'est une bonne compo parce que moi, je l'ai utilisée sur mon compte. Et vous allez voir que j'ai failli remporter l'électro-sorcier. J'étais vraiment pas loin, mais bon. Écoutez, on se retrouve du coup pour le paquet cet électro-sorcier. J'espère quand même que l'intégralité du coffre va être intéressant. Et ensuite, ce sera rendez-vous sur mon compte du coup. Alors, c'est parti. On a 22 000 or quand même, ce qui est juste énorme. Et 14 cartes, donc c'est juste super. 5 fournaises. On a 9 mini PK. 104 géants royal. 108 esprits de feu, donc ça c'est pas mal. 20 sorciers, on le voit un petit peu en super défi, mais pas plus que ça. 171 bombeurs, donc ça c'est moyen. La TDE, pareil, on s'en fiche un peu. 275 gobelins, ça c'est énorme. 43 Valkyries, c'est pas mal, ça fait un beau paquet de rares quand même. 319 archers, donc on a toutes les communes. 4 miroirs. 7 poisons, donc ça fait pas mal. Oh, double légendaire, les amis, dans le même coffre. Double légendaire, incroyable. Oh, oh c'est un truc de taré. Deux légendaires dans le même coffre, j'y crois pas. Non. Logiquement, c'est sorcier électrique, là. On a une mineure. Oh, le truc de fou. Wow,
les gars, il y a eu deux légendaires dans le même coffre. Deux légendaires, truc de taré quoi. Électro-sorcier plus mineur, du jamais vu. Oh, du jamais vu. Du jamais vu. Complètement incroyable. What the fuck. Oh là 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 là, plus donc le sorcier électrique qui est débloqué. Oh là 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 là, regardez ce coffre de fou. Regardez ce coffre de fou. Nos trucages. C'est incroyable, deux légendaires dans le même coffre, un vrai régal. Écoutez, on va aller le vite fait quand même checker ses stats avant de passer sur mon compte pour packer, oui, le pack opening. Info, donc il est juste génial ce sorcier, vous avez de toute façon, je pense que vous l'avez tous utilisé. Moi personnellement, j'adore. Alors après, je sais pas s'il va percer ou pas, mais en tout cas, moi je l'adore ce sorcier, ça c'est clair et net, il est juste. Il est fantastique. Je le trouve fantastique, voilà, je le trouve génial, donc voilà. Bah écoutez, c'est ouf, deux légendaires dans le même pack opening, alors là c'est du jamais vu, n'hésitez pas à lâcher le fameux pouce bleu, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, c'est incroyable, deux légendaires, moi-même j'y crois, enfin c'est un truc de taré, et du coup bah cet électro sorcier, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Alors écoutez, maintenant, j'espère qu'on va réussir à obtenir sur mon compte à moi, une légendaire aussi, même si ce sera pas l'électro sorcier, ce sera quand même mieux que rien. Écoutez les amis, du coup on va bifurquer sur mon compte, vous savez quoi, 1 2 3, et voilà, du coup les amis, on se retrouve, on est sur mon compte du coup et on va packer. Regardez, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai réussi à monter à 10 victoires, c'était ouf, j'étais à 9-0, j'ai fait 9-1, 10-1 et j'ai perdu deux fois d'affilée. Alors vous imaginez la déception de perdre si près du but, néanmoins je vais quand même recommencer, je pense, je vais repartir de plus belle pour retenter et de gagner ce défi de l'électro-sorcier. Alors moi aussi, j'avais utilisé ce même... Alors non, il n'y est pas là. Mais j'avais utilisé le même deck que je vous ai montré précédemment. On va repartir de toute façon sur du super défi. Enfin, sur le défi de l'électro-sorcier. C'était juste incroyable. J'y ai cru vraiment jusqu'au bout. Et à la fin, je suis tombé contre deux decks qui jouaient... attendez, regardez, je vais vous montrer. De toute façon, voilà, les compos, elles vont être là. Regardez, voilà, ils jouaient géant. Géant cimetière là et géant méga gargouille et franchement je pouvais rien faire. Alors bah, vous avez vu, j'ai perdu deux fois 0-1 et avant voilà, c'était une belle série de victoires, j'étais bien, j'étais franchement je m'appliquais et tout, mais je vais repartir de plus belle, je vais retenter les amis. Alors on va s'ouvrir le petit coffre gratuit, 94 or, 10 barbares d'élite et ok de Valkyrie. Bon, c'est à nous maintenant. Alors moi, il n'y aura pas de deux légendaires dans mon coffre, malheureusement. Néanmoins, j'espère qu'on va au moins prendre une petite légendaire. Sinon, je serais un peu déçu quand même. Je vous cache pas que sinon, je serais un peu déçu. Allez, vous savez quoi? C'est parti, les amis. On va se l'ouvrir. 10 victoires, 14 200 or. C'est déjà énorme. Et je passe 203 000 d'or. Alors ça, c'est cool. On a une Valkyrie. Ça commence très, 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 très léger. 4 mini PK, c'est léger toujours. Un poison, ah là ça sent un peu. Oh, une sorcière, oh là là là. 12 tours à bombe. Oh, 22-3 mousquetaires, je suis un peu en PLS là parce que je me dis que va falloir vraiment masse commune ou masse rare là. 158 barbares d'élite et malheureusement je crois que là. 28 fournaises. Ah, 5 golems, qui sait? J'y crois pas trop, mais pourquoi pas? On va voir, est-ce que vous êtes prêts? Ah, je sais pas, j'ai pas trop compté, mais ça me paraît un peu short quand même niveau carte. Alors après 500, on a ouvert 200. Allez, on va voir. 1, 2, 3. Oh là 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 là, 438 canons. Oh, il m'a mis en PLS. Oh, le coffre moisi, quoi. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Et bah écoutez, moi, ce qui est sûr, regardez, c'est que boum, je vais déclencher déjà l'ouverture d'un défi. Je vais rush. Je pense qu'on va faire le début en vidéo sur une prochaine vidéo, les amis. Puis je le continuerai après de mon côté. Eh bien, écoutez, les amis, merci en tout cas d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment, n'oubliez pas de lâcher le fameux pouce bleu. Ça nous aide vraiment beaucoup, beaucoup. Incroyable, on a vu qu'on pouvait avoir deux légendaires dans le même coffre. C'était, je crois, du jamais vu. Donc, et ben voilà. Merci, les amis, d'être restés jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo Clash Royale. Salut, salut.